Chers téléspectateurs, Bonjour à tous. tous. Nous avons terminé l'apprentissage de la forme de sabre du Taizi. Aujourd'hui, on fait donc une révision globale. Allons-y. Tout d'abord, nous révisons les exercices de base. Piquer. Ensuite, nous allons pratiquer toutes ces techniques de sabre dans un enchaînement afin de les maîtriser. Les exercices de base sont très importants dans l'étude du sabre du Taizi. Continuez bien à les pratiquer. Enroulez la tête. Enveloppez le cerveau. On continue avec la pratique d'un enchaînement des techniques de base de sabre. Lors de la pratique du sabre du Taizi, faites attention à la continuité des mouvements. Les mouvements du sabreur doivent être bien coordonnés. Révisons ensemble les premières et deuxièmes parties de la forme. Avant de commencer la révision de la forme, regardons les mouvements des deux premières parties. Le sabre du Taizi est une arme courte du Taizi Chuan. Il se base sur les mouvements du corps et les déplacements du Taizi Chuan. Les mouvements sont fluides avec des techniques de sabre bien distinctes. La force est bien transmise et on alterne entre douceur et fermeté. Les mouvements du sabreur doivent être bien coordonnés. Réviser les mouvements difficiles. On commence d'abord avec la première partie de la forme. Inverser le ciel et la terre. Lors du maniement du sabre, il faut alterner entre vitesse et lenteur et avoir un rythme bien distinct. Le vent balaye les fleurs de pommier. La taille doit emmener le sabre et le mouvement doit être continu. Écartez les nuages pour voir le soleil. Lors des cercles de sabre, le mouvement doit être rond et fluide. Le haut et le bas du corps doivent être coordonnés.
partir dans le sens du courant. Le pas croisé et le piquage sont simultanés. Dégagez les airs pour chercher le serpent. Le pas vers l'avant et la rotation de la taille se font en même temps. Le roc déploie ses ailes. La position unipodale avec la montée du genou doit être stable. Maintenant, nous pratiquons une fois l'enchaînement des mouvements de la première partie afin de mieux se les approprier. Il y a beaucoup de mouvements difficiles dans la première partie. Vous devez passer du temps sur leur pratique. Maintenant, on révise les mouvements de la deuxième partie. Le tigre noir parcourt la montagne 2. Le dragon jaune remue l'eau. Le mouvement de cercle de sabre avec le poignet doit être lié, rond et souple. Bravez le vent et coupez les herbes. Le pas croisé et le balayage de sabre doivent être coordonnés. Pour fendre les trois obstacles. Les trois coups sont enchaînés, le mouvement de rotation du corps doit être souple et rapide. Le dragon d'or enroule la colonne. L'enroulement et le pas croisé se font de manière coordonnée et continue. On refait une fois les mouvements enchaînés de la deuxième partie. La pratique est essentielle dans le sabre du Traizi. Il n'y a qu'en persévérant que l'on peut maîtriser. Ensemble les troisième et quatrième parties de la forme. Avant de réviser la suite, voyons d'abord les mouvements des troisième et quatrième parties de la forme. Maintenant, on révise les mouvements les plus difficiles. Les fleurs cachées sous les feuilles 3. Lors du mouvement, le dos du sabre doit être collé contre le dos. David, cachez le sabre. On doit utiliser la technique envelopper le cerveau. Les trois cercles autour du soleil. La rotation du corps doit être stable, le saut doit être fluide et le mouvement de balayage du sabre se fait d'une seule traite. Le yaksha explore la mer. Il faut piquer vers le bas, la force vient de la taille et elle doit atteindre la pointe du sabre. Le boa se retourne. La rotation et l'action de pourfendre doivent être liées. On fait une fois l'enchaînement des mouvements de la troisième partie. Faites attention à la continuité et la coordination dans les mouvements. Se retourne.
La rotation du corps est combinée au piquage. Le sabre et le bras forment une ligne droite. Le vol oblique. Il faut retourner la main droite de manière à balayer avec le sabre en biais vers l'extérieur. La libellule effleure la surface de l'eau. La force du pointage doit arriver dans la pointe du sabre. Ce mouvement peut être fluide. On refait une fois les mouvements enchaînés de la quatrième partie. Démonstration d'une forme en duo de sabre et traite. L'étude du sabre du Taiji du style Chun s'arrête aujourd'hui. Nous présenterons encore bien d'autres programmes de Kung Fu. Excellent. Continuez bien à nous suivre. Au revoir. Pour clôturer ce programme, apprécions ensemble, encore une fois, la totalité des mouvements des quatre parties de la forme. Amis téléspectateurs, on se retrouve pour le prochain programme de Kung Fu. A très bientôt.